Téléchargez des musiques et des vidéos gratuitement sur redconverter.com. Allez, salut tout le monde, c'est The Frag HD, j'espère que vous pétez la forme les gens. Pour ma part je vais super bien, ça me fait tellement plaisir de vous retrouver. Ça va mes petits poulets? Non, vous êtes pas des poulets, je le sais. Attends, à chaque fois que je dis ça les mecs, ouais mais on n'est pas des poulets, bordel de merde The Frag. On est tes abonnés, on est des êtres humains avant tout, tu vois, c'est la société, c'est la vie. Alors je suis sur la map Splash. Alors le problème étant que comme je vous ai dit, j'ai la nouvelle map en fait que j'ai jamais joué dessus, clairement. C'était pour la map zombie à la base. Et là je me retrouve sur la map Splash, je ne connais aucun spot, je ne sais même pas où je dois aller. Donc je vais ramper tel un chihuahua sur le sol. Ok, je me pose là vite fait. On sait déjà. Oh putain, c'est pas mal, tiens. Si ça arrive de ce côté-là. Ah, mais non, c'est pas de ce côté-là, c'est si ça arrive. Ok, oh putain, il m'a fait flipper. Je crois qu'il y en a derrière moi. Il est là. Ah oui! Oh là, excusez-moi, putain, je vous ai arraché les oreilles. Désolé, ça fait deux coups de couteau dans la manche. Alors, on devait troller, ok? Mais j'avoue que j'ai fait des parties, des fois, des Troll of Duty qui vous ont fait kiffer, où je faisais plus de kills au couteau que de trolls. On va essayer de taper un ninja de Diffuse, ça va être très compliqué, surtout quand on connaît pas les spots, quand on connaît pas du tout la map. Mais si on peut faire une partie éclair comme le dernier Troll of que je vous ai sorti, avec plein de coups de couteau, un petit peu en mode what the fuck, et bah ça fera plaisir. Voilà, donc on commence une bonne petite manche. J'espère que vous pourrez laisser un maximum de j'aime, s'il vous plaît, parce que le troll, c'est vraiment le concept principal de ma chaîne YouTube. C'est ce que vous kiffez le plus. J'essaye de diversifier un petit peu les concepts avec les insolites. Mais là c'est un gros troll off. Donc tous ceux qui adorent ça, je compte sur vous. Faites-moi exploser cette barre des j'aime s'il vous plaît. Si on pouvait faire 2000 likes avant minuit, ça serait vraiment super cool de votre part. Je compte sur vous. Mes poulets, voilà. Ah, j'aime ce mot poulet. Putain, je sais pas ce que j'ai avec les poulets. C'est peut-être parce que j'ai grave envie d'en bouffer. Il y a un fils de poulpe qui est là. Vous l'avez vu ce petit enfoiré derrière avec sa petite tête. Chacalo. Regarde, il est en train de campouser. De faire le. Oh, fils de pute. Pardon, excusez-moi. Pas de gros mots dans la vidéo. Mais là, il a mis une charge électrique histoire de me faire un petit peu mal. Ok, mon allié, regardez, il est AB. Oh, AB, il s'est fait massacrer. Ça va arriver derrière moi, à mon avis. Il m'a pas vu. On le suit un maximum, les gars. Oh, c'est un troller en plus. Le troller trollé. Ah ouais, c'est un troller. Il est avec son couteau. Oh, c'est dard. Ah là, il sait que je suis là. Ah, c'est le combat des trollers. C'est le combat des trollers sur The Frag HD, sur la chaîne The Frag. Le piment est à son comble. Ils vont poser de toute façon, faut que je fasse le diffuse. Non. Ah, oh oui, ce que je viens de te mettre, mon pote. Je t'ai brain, je l'ai trollé, je l'ai brain finalement, je me serais pas fait tuer. Ils vont poser la bombe. Non, le sniper. On court furet. La 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 la. Non, ils vont me troller. Ok. Faut que je mette le R6D. Vite. Boum, allez, oui. Je suis un fils de pute. Je suis un vrai connard. En B, faut que ça pose. En B, pose. Pose en B, dépêche-toi. Allez, mon gars. Allez. Non, c'est fort. Ça posera en A au pire. Ou au pire, on gagne la manche tranquillement. Oh là 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 là. Il a pas eu le temps de récupérer la bombe. Je suis à 5 kills, 0 mort. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte. Je troll un mec. Je troll un troller en plus. Je fais mon kill après au couteau contre le sniper. Après, je balance mon R6D pour choper le troisième mec. Je fais 2 kills la première manche en plus. Non, mais laisse tomber. Là, c'est une partie de malade. Je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que là, vous allez voir. Si franchement, j'arrive à vous proposer la partie entière de troll en mode what the fuck et en mode couteau comme un gros porc. En plus, si j'arrive à atteindre. Non, mais si j'arrive à déjà atteindre 8-9 kills dans une partie de troll, c'est juste une dingue. Mais là justement je m'enflamme, ça fait deux manches de bâtard et si ça se trouve je vais faire une coupure parce que je sens que je vais me faire niquer. Ah, ne pars pas pessimiste comme ça monsieur Jambon Frag. Monsieur Jambon, ça chie que de la merde. Chaque fois que je fais des troll-offs, je crois que mon cerveau en fait en mode troll il est plus connecté au monde réel. Alors attendez. Je vais foutre une charge là parce que si ça arrive derrière mon cul. Parce que là si c'est moi qui me fais troller pour le coup je chiale. Donc là ça fait deux manches de bâtard, ok, vous inquiétez pas on va rusher. Le problème c'est que j'ai un peu peur en fait. Là je... Non! Sniper! Attends, regardez. Sniper! C'est un sniper. Oh, y'a un troller. Ils sont là, les fils de poulpe! On peut pas se cacher là? Je vais me mettre là. Je vais me mettre. Non, il va me troller. Non! Il m'a boulot! Sale enfoiré! Ah!
Déjà, tu sais, quand t'es en train de t'allonger et t'es en train d'essayer d'esquiver, que là, voilà, cette charge électrique là, qui vient de me balancer. Je me suis dit, si je me la bouffe, le mec, il va courir, il va être derrière moi, il va me tibac comme un porc pour me cut en killcam final. Et là, ça sera la plus grosse humiliation. Je rage quitte la partie et la fin de ce Troll of Duty. Bon, ça va, je préfère mourir comme ça qu'avec une charge électrique en me faisant tibac en killcam quoi. Mais j'avoue que j'avoue, ça me fout le seum. Putain, j'ai les boules. Putain, je me suis fait niquer cette manche. C'est pas grave. Allez, dis troller là, on va pas se faire avoir comme ça. Regarde, il y a des trolls en face, non? Les trolls, ils sont quelqu'un. Ah non, mais c'est des trollers. Mais je croyais qu'il y avait des mecs qui avaient une classe. Enfin, en nom de clan, je croyais qu'il y avait des mecs qui avaient trolls en nom de clan. Bon, a priori, ils sont pas là. J'ai envie de faire un diffuse. Ok, je vais mettre ma charge électrique là. Je vais me rapprocher un petit peu parce que s'il me voit, il faut que je le cut rapidement. Et si je suis trop loin, c'est la merde. Ok, donc à mon avis, mes alliés font le taf ou pas? A chaque fois, je fais select pour garder le nombre d'ennemis qui restent, mais je suis con, ça sert à rien. On le voit, d'accord, 3 ennemis en vie. Ok. Putain, oh, j'ai eu peur. J'ai eu une sacrée peur, les potos. Est-ce qu'il y avait la bombe qui était là? La bombe est là. Donc en théorie, si mes alliés font pas tout le taf, ils vont poser en A, c'est sûr. Ok, il en reste plus qu'un. Le dernier va poser en A. Faut pas que mes alliés le voient. Vas-y, cours. Cours à la bombe. Cours à la bombe. Pose, t'as une minute. Allez, vas-y, mon gars. Allez, vas-y, mon gars. Si je fais le diffuse là, franchement, j'ai réussi la partie de ma vie. Je crois que j'ai réussi la partie de ma vie. Eh ben non ! Les cocos, on était bons. On pouvait le faire. On pouvait le faire, le diffuse. Il suffisait juste qu'il reste un peu plus d'ennemis en face. Mais en tout cas, c'est une bonne partie de troll. J'espère qu'elle vous fait kiffer. J'espère que mes trollers seront présents. Voilà, parce que chaque fois, c'est vrai que le troll, vous me laissez vachement de likes. Mais beaucoup moins de commentaires que dans les vidéos insolites. Je sais qu'il y a moins à commenter. Mais je sais pas. Si vous voulez me raconter votre vie, je prends. Voilà, moi je lis tous les commentaires. Je réponds pas à tous les commentaires parce que c'est vrai que je passerai vraiment mes journées à vous répondre, mais je les lis tous, je vous promets, hein, je les lis tous, et il y en a des fois qui me font mal au cœur. Voilà, parce que c'est vrai que l'insulte est très facile sur YouTube, encore plus en ce moment, les mentalités changent et tout, et c'est vrai que les vidéos où je me fais le moins insulter, les gens kiffent le plus, c'est vraiment le troll, et c'est pour ça que ça me fait plaisir en faire, regarde. Vas-y, viens petit troller, il est là, il essaye de troller un de mes alliés. Je vais mettre à distance. Oh putain, il s'est fait défoncer. Ouais, je préfère rester à distance, hein, parce que là, à mon avis... Vie. Oui, toi aussi, tu sais parler, The Frag. C'est bien. Ok, où est-ce que je me mets? Non, les mecs. Ah, excusez-moi, il va troller. Oh putain, je gueule comme un porc. Les gars, je comprends pas ce qui se passe. Ils me font du gangbang de couteau. Là, franchement, je ne tolère pas ça. Je vous jure, je ne tolère pas ça. Mais vous inquiétez pas, hein. Là on va laisser la partie jusqu'au bout, même si je me fais violer par des trollers en face, hein. Parce qu'il faut qu'on voit si on va gagner cette partie. Là je sens que celle-là on va la perdre. Du coup il y aura 3 manches à 2 pour nous. A mon avis, avec le peu de chance qu'on va avoir, ça va faire 3-3. Troll-le. Non, troll-le, oui, tu l'as. Mais te meurs pas. Mais non, putain, mais il troll encore un peu, enfoiré. Humilie, c'est quoi ça? Allez. Ah, je kiffe ce moment là où tu sais, les mecs ils ont ce putain de seconde chance chelou là sur Call of Black Ops, enfin sur Code 3, enfin Code 3, ouais. Black Ops 3, vous m'avez compris. Le mec il respawn encore une fois, il revient de la mort et se reprend un coup de couteau dans la nuit. S'il y a quoi, il y a un problème. Par contre, mon pote, t'as moins de 30 secondes là pour poser la bombe, donc autant vous dire que c'est mort. Hein. Il y a 3 ennemis contre lui, donc oh putain, mais il est chaud. Pff, oh alors lui il tente des trucs. Ah, il va récupérer la bombe quand même. Hein. Et qu'est-ce que tu vas faire après? Il est en train de se faire suivre par derrière, voilà. Oh là là. Je crois que je suis tombé dans un accueil de troller. Et je vous ai dit que le minimum de kills que je devais faire dans cette partie, c'était 7 kills. C'est-à-dire que j'ai plus qu'à faire un kill, c'est carrément jouable. Mon gros kiff, ça aurait été d'arriver à 10 kills, mais là, va falloir que je massacre les coups de couteau. Et sachant que j'ai encore envie de faire quelques diffuse, j'ai envie de faire quelques teabags, etc., suivre des ennemis, c'est pas sûr que j'arrive aux 10 kills. Mais on va voir vite fait. Ok, allez, flow, concentration, respiration... Yoga man, on peut le faire. Non, j'avoue que les premières manches passaient bien, mais là ça le passe de moins en moins. Ok, je vais mettre là. Oh putain, là va falloir avoir le réflexe du couteau parce que je sens qu'à mon avis ça va être dur de troller. Troller un troller, franchement c'est compliqué. J'ai quand même fait un troller troller, donc là une fois, pas deux. Deux, ça serait trop beau pour être vrai. Ah, ils sont où? Il en reste combien? Ah ouais, ils sont plus que 3, attends. Je vais le troller, lui. Il est là, il m'a pas vu. Yes. Non. Alerte limite de la map. Il m'a pas vu, lui, non plus. Oh, je les troll de ouf. Oh, putain, il est là-bas. Lui, il faut le suivre.
Ah mon dieu, j'étais trop en train de les bolos. Pitié qu'il me troll pas par derrière. Il est où? Il est où? Non! Je me stresse. Ah putain, mais c'est un troller lui aussi. Non, il m'a bolos. Il m'a bolos, je parlais plus. Vous voyez, c'était la concentration ultime. Non. Après ce que je venais de mettre à son pote là. Et même lui, je le trollais, je l'ai vu passer. J'aurais pu les défoncer tous les deux, mais je voulais du troll. Ok, putain, c'est la merde. Qui va se faire tuer? Il en reste plus combien? Ah putain, c'est la merde, il est plus que tout seul le gars, il doit poser la bombe. À mon avis, on a gagné. On a gagné 4-2. On va terminer sur cette belle victoire et j'aurais pas fait 7 kills. Non, puisque j'aurais pas réussi. Ah franchement, j'aurais pu le faire le 7ème, vous êtes d'accord? Depuis le temps que j'étais en train de l'humilier, l'autre enfoiré. Et voilà, oh là 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 là. C'était une baston de couteau. À croire que j'ai incité. Enfin, à croire que j'ai incité tout le monde dans la game à prendre le couteau. Parce que les mecs au début, genre. Non, quoi qu'il y en avait deux au couteau, mais là j'ai l'impression qu'en fait tous mes alliés sont partis au couteau, tous les ennemis en face sont partis au couteau. Au début il y avait qu'un troller, hein. Vous vous rappelez, il y avait un ou deux trollers je crois en face, aucun de mes alliés trollés. Et là on a terminé en mode tout le monde, tous mes alliés presque trollés, tous les ennemis en face trollés quoi. J'ai fait une partie de game de troll quoi, la game du troll, je sais pas comment je vais appeler cette vidéo en mode gros troll of duty. En tout cas merci à vous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, c'est une vidéo entière avec des manches vachement sympas, des manches un peu où je me suis fait niquer. Mais voilà c'est ça, je vous ai dit de toute façon, j'avais fait une vidéo vous vous rappelez en démolition, j'avais trollé en démolition. Et c'est vrai que c'était beaucoup plus actif, c'est à dire qu'en R&D tu meurs, en recherche et destruction. Bah le problème c'est que tu dois attendre que la manche se termine avant de pouvoir rejouer et de encore une fois troller. Alors qu'en démolition ça bougeait vachement vite, mais j'ai vu les top commentaires, les gens qui mettaient le plus de commentaires, c'était non non mais frag, la marque de ton Troll of Duty c'est d'aller en recherche et destruction, ça met plus de piment, plus de stress etc, donc retourne en R&D. Et comme je vous ai dit, j'écoute ma communauté, je vous écoute, donc voilà, je vous ai proposé ce gros Troll of Duty sur Black Ops 3. J'espère que ça vous aura fait plaisir, que vous pourrez laisser un maximum de commentaires, racontez-moi votre vie. Et puis celui qui me raconte une anecdote drôle et qui me fait péter une barre, et bah j'afficherai son commentaire dans ma prochaine vidéo à la limite. Faites-moi péter cette barre des j'aime s'il vous plaît, et on va refaire comme la dernière fois. Si t'es resté jusqu'à là pour que je vois mes vrais abonnés, marque le mot poulet. Tu me marques poulet, ok, donc comme le poulet en fait, comme le mari de la poule, c'est mec. Voilà, tu me marques poulet en commentaire. Comme ça, à chaque fois, la dernière fois, il y a des mecs qui arrivaient pas jusqu'au bout de la vidéo et ils comprenaient pas pourquoi dans les commentaires il y avait que des poulets. Et bah voilà, le mot poulet dans les commentaires, c'est que pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était TheFrag HD. Je vous fais des gros bisous et au revoir mes poulets du coup. Allez, ciao, ciao.